Bonjour, mes stagiaires. Bonjour à tous. On va entamer aujourd'hui une nouvelle séquence, toujours dans le cadre de la comptabilité analytique d'exploitation. L'objet de cette séance est de comprendre comment on va calculer les coûts préétablis. Le coût préétabli, ça veut dire, cette séquence s'intitule le coût préétabli. J'écris ça, écrivez-moi, suivez-moi, c'est le cours. Le coût préétabli. Le coût préétabli. Sont des coûts évalués a priori. Ça veut dire quoi? Avant, a priori. A priori, fais attention. Et bien, première chose, on va définir définition. Et objectif du coût préétabli. Bien, nous avons dit une première chose, qu'est-ce que c'est le coût préétabli? Le coût préétabli sont des coûts évalués. Il y a une question évaluée. Ah ben, merci. Priori. يعني كنحسبو من قبل ما يوقع الحدث فرضا باش ينسق اون برودكسيون كيلكون اون فا لي زيفالي افون دو لو فير بوركوا سوا بريميرمون pourquoi on va calculer ces coûts préévalués, soit pour faciliter certains traitements analytiques. Il y a un petit jour, mais ce cerveau, c'est un traitement analytique. Deuxième chose, soit pour contrôler la gestion, soit pour permettre le contrôle de gestion, par quoi on va contrôler par ce qu'on appelle les écarts. On va définir postérieurement. Et bien, best sarbohad le contrôle de gestion, on va calculer les écarts. Chini les écarts, on va définir après. Et bien, le contrôle de gestion par l'analyse, ce qu'on appelle par l'analyse des écarts. Et attention. Et bien, je ici explique mieux. Qu'est-ce que c'est le coût préétabli? Le coût, ce sont des coûts. Avant,
Vous avez compris un peu? Les écarts, les coûts évalués, les coûts préétablis sont des coûts évalués a priori. A priori, c'est-à-dire avant. Avant de le faire pour produire un produit, on va calculer la quantité et le coût avant de le faire. C'est approximatif. On va les évaluer approximatif. Pourquoi on va calculer ce coût préétabli? Pour, principalement pour plusieurs raisons, mais pour deux raisons principales. Ça veut dire faciliter certains traitements analytiques et deuxièmement, pour calculer ce qu'on appelle les écarts en trois. Entre le coût préétabli et le coût réel. L'écart, qu'est-ce que c'est un écart? C'est un coût réel moins coût préétabli. Moins coût préétabli. Ça veut dire quoi? Les coûts sont calculés entièrement au fait que les engins y serviront. J'ai écrivez-vous. Ils sont, ça veut dire les coûts, ils sont calculés. Calculés antérieurement. Antérieurement. Au fait, Yanni, au fait, avec AIT, au fait qui les engendre. Il les engendre. Et serviront. Et serviront selon le choix. De l'entreprise. Longue prise. Il y a une qui compte prévisionnel. Il y a le coût qui compte prévision. On peut appeler coût prévisionnel. C'est un coût prévisionnel. Il donne deux simples prévisions. Il y a une qui compte et prévision. Et ça correct. D'objectif. À atteindre, ou de normes à respecter. Voilà. Et dans le résumé d'Alchi, le coût préétabli, c'est un coût prévisionnaire. N'est pas rien. N'est pas rien. N'est pas réel. On peut dire en appelant, monsieur, les stagiaires, faites attention, on peut appeler coût standard. Ça veut dire qu'on fait la prévision à partir d'une analyse technique. Vous avez compris? À partir d'une analyse technique. Ça veut dire quoi? Bien, le coût préétabli a plusieurs appellations suivant la méthode, comment on le calcule. C'est la même chose, mais la différence, la méthode technique à atteindre, à réaliser. Vous avez compris? Yanni, en arabe. En arabe, le coût préétabli عند الأسماء المتعددة على حساب الطريقة باش تثبت. إذا جيكري سا لي كو ستاندار Et les coûts standards qui font
L'objet de ce chapitre, de cette séquence, c'est mieux. Son dégoût. Préétabli, au prévisionnel est prévu. Évaluer avec précision. À partir d'une analyse, à partir d'une analyse, bien sûr qu'on a déjà indiqué technique et économique. Il présente le caractère du nom. Et bien, ça veut dire, monsieur, ça veut dire que le coût préétabli, c'est un outil de gestion. C'est un outil de gestion. Pourquoi? On va contrôler, on va calculer les écarts. Monsieur, écoutez, on va calculer les écarts. J'écris ça, notez ça. La détermination. Du coup, préétabli, du coup, préétabli, constitue un outil de contrôle de gestion. Qui permet premièrement et donc qui permet premièrement de fixer du coup, et fixer des coûts prévisionnels. Du coup, prévisionnels, les camps considérés comme normaux. Comme normaux. C'est une norme. Les coûts préétablis sont des coûts de normes. Yannick, à l'aide de lui, on va les comparer. Normaux, j'ajoute pour une activité normale. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas aucun problème, cette quantité ou ce coût va réaliser. On va atteindre l'objectif pour une activité normale. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'évaluer, c'est-à-dire quantifier les performances des centres de responsabilité.
des centres auxiliaires, des centres principaux, on appelle d'une façon générale les centres de responsabilité. Comment on va évaluer les performances de ce centre? En mesurant, fais attention, en mesurant les écarts. Les écarts entre toi et toi, entre les coûts constatés, ça veut dire réel, faire attention, faire appel à cette notion, les coûts constatés, ça veut dire les coûts réels et les coûts entre les coûts constatés, ça veut dire le coût réel et le coût standard. Standard. Enfin, on fait l'analyse d'analyser. L'origine, ça veut dire la cause de cet écart. S'il y a écart, on va l'analyser. D'analyser l'origine des écarts. Pourquoi il y a écart entre quoi et quoi? Entre les coûts constatés et les coûts réels. Qu'un changement d'être les écarts. Les écarts. Pourquoi on va analyser enfin de prendre les mesures correctives nécessaires. Voilà. Sont des outils de gestion. Pourquoi? Pourquoi? Pour fixer le coût prévisionnel, pour évaluer la performance et enfin pour analyser l'origine des écarts. Pourquoi? Enfin de prendre les mesures correctives. Je résume ça dans des lignes, une ligne ou bien. Donc, l'analyse de l'activité. Repose en plus de l'analyse du coût l'analyse du coût en plus de l'analyse du coût. Et des activités. Sur le calcul, comme on a déjà, sur le calcul de l'analyse des écarts. Ça veut dire on va, pour analyser l'activité, on va analyser le coût. Les quantités, ça veut dire l'activité et les écarts. Ça veut dire le prix, la quantité et les écarts qui peuvent exister entre quoi et quoi? Entre la situation
réel, et c'est prévu, ni prévisionnaire, ça, ou bien, ou comme on a dit, ou standard. L'objectif, c'est quoi? C'est donner l'explication. L'objectif est de donner des explications sur les divergences constaté pour prendre les mesures nécessaires. Voilà. C'est le résumé. Voyez, Eden, grand 2, on va entamer principe. Finir la charge ou le coût réel ou le coût réalisé. Il écrivait ça. La charge, ce sont des notions importantes pour comprendre ce cours. La charge ou le coût réel. Ou le coût réel. La charge représente la valeur supportée, effectivement par l'entreprise au cours de la période d'analyse. Au cours de la période d'analyse, vous avez compris qu'est-ce que c'est un coût réel. Ça veut dire qu'il est réalisé. Par contre, je donne des exemples pour, par exemple, réel, le coût réel d'une consommation effectuée. Effectuée, ça veut dire réalisée. Il est le coût réel d'une consommation effectuée. Consommation de quoi? De matières premières, de main-d'œuvre directe, de matières consommables, etc. Par contre, le coût prévu ou la prévisionnaire ou la standard prévue représente l'estimation. L'estimation, fais attention, l'estimation approchée. Ça veut dire l'estimation approchée aux charges à consommer. Aux charges à consommer pour donner un coût préétabli.
un goût préétabli. Je recommence cette phrase, ce sont des notions plus importantes pour calculer les écarts ici et pour expliquer cet écart. La charge, c'est un coût effectivement supporté. Par contre, le coût prévu, c'est un coût estimé. C'est un coût estimé. Il peut découler d'une estimation du marché. Une estimation du marché, d'une moyenne des charges, d'une moyenne des charges calculée par l'entreprise. Fais attention, ce sont des exemples. D'une façon générale, le coût préétabli, c'est un coût estimé. Maintenant, le coût, fais attention, ce sont les coûts standards. Le coût standard est une valeur constante. Est une valeur constante mesurée à partir des normes. Et sur une période, bien définie, par l'entreprise. Voilà. À quoi est égal les écarts? C'est la valeur réelle ou le coût réel moins la valeur préétablie. Notez ça. Par convention, je note ça. Par convention, au Maroc, d'après le plan comptable, par convention, le calcul de l'écart, le calcul, c'est mieux pour construire une phrase bien. Pour le calcul d'un écart s'établit par le sens suivant. D'après le plan comptable, par le sens suivant. Et j'encadre. Écart est égal. Écart est égal. Valeur réelle moins valeur préétablie. Voilà. Ou la préétablie, ou la prévisionnelle, ou la prévue. Ce sont des synonymes. Ça veut dire même chose. La différence entre eux, c'est la méthode pour les calculer. Vous avez compris?
On va dire grand roi. La composition des couples établis. Il y a le couple établi. Ce sont des notions qu'il faut bien assimiler pour comprendre le cours. Ce sont des concepts. Il y a le couple préétabli. Sont structurés. Sont structurés. Et hiérarchisés. Voilà, chisé et a chisé de manière identique. Hel-hel. De manière identique. À quoi? De manière identique ou que constater. Ça veut dire au courriel. Ça veut dire le coût préétabli sont calculés de la même manière que le coût constaté. De la même manière, même n'est pas les mêmes nombres. La manière de le calculer, c'est la même. Ça veut dire pour calculer le coût réel, on va faire quoi? La sommation des charges. C'est la sommation des charges. Pour les coûts constatés, c'est la sommation des charges réelles. Pour le coût préétabli, ce sont la sommation des charges prévisionnelles. Au coût constaté, selon, j'ajoute ce mot, selon la méthode adoptée. Selon la méthode adoptée. Voilà. Ça veut dire, pour calculer le coût complet, à quoi est égal le coût complet? À quoi est égal le coût complet, monsieur, mademoiselle? Bon. À quoi est égal le coût complet? Il donne le coût complet ou à la sommation des charges directes et les charges indirectes. De la même manière, le coût standard, c'est la sommation des charges directes et indirectes. Direct, ça veut dire, vous avez compris comment on calcule de la même manière que le coût standard. On va calculer le coût standard de la même manière que le coût réel. À quoi est égal le coût réel? La sommation des charges directes et les charges indirectes. Ça veut dire quoi? Ça, le coût standard, idem, est égal à la sommation des charges directes et les charges directes. Par exemple, j'écris ça pour adopter. Par exemple, le calcul d'un coût standard complet, est composé de charges directes et de charges indirectes. De la même manière que le coût réel.
Pourquoi cette similitude, l'échelle cerveau, pour faciliter le calcul des écarts? Pour calculer, il donne cette similitude cerveau. Cette similitude facilite leur comparaison et l'analyse de leur écart. On a bien les constantes sont calculées à partir d'une technique, à partir d'une technique pour une activité normale. Fais attention. On a déjà dit ça pour la compréhension. J'ai écrit les cours standards. J'ajoute les cours standards. Les cours standards sont calculés. Une normale pour une activité normale à partir de normes techniques. De normes techniques et économiques. Qu'est-ce que c'est les normes techniques? C'est la nomenclature de produits, c'est le taux de déchets ou bien de rebuts, le temps de travail. Qu'est-ce que c'est les normes économiques? Étude de la concurrence, étude de la concurrence, prix de marché, coût passé, etc. À quoi est égal coût standard? C'est coût unité standard multiplié par quantité standard. À quoi est égal le coût standard, monsieur? Et il y a le coût unité standard fois la quantité standard. Toujours. Et j'écris ça. Le coût standard, un coût standard. Un coût standard, quelle que soit sa composition, quelle que soit sa composition, est le produit, et le produit d'un coût, fais attention, d'un coût unitaire, d'un coût unitaire, d'un coût unitaire standard, standard. Est une quantité une quantité standard est une quantité standard. J'écris cette formule, j'exprime cette phrase, pardon, sous forme d'une formule. J'écris coût standard est égal coût unitaire standard ou quantité standard.
Ça veut dire le coût standard est égal au coût unité standard multiplié par la quantité standard. Vous avez compris, monsieur? Qu'est-ce que vous faites avec... Écoutez-moi, je la remets. Il est le coût standard, je fais les notes, puis comprendre, puis lire le contenu. Ça y est? Oui, il est le coût standard. Et le coût standard, c'est le coût unitaire standard multiplié par la quantité standard. Et donc, on a calculé les écarts. Les écarts à quoi est égal? Ou la valeur réelle moins la valeur réelle moins la valeur préétablie. Alors, ça, l'écart, on va l'analyser. On va calculer premièrement. Pour deuxièmement, on va l'analyser. D'après l'analyse, on va chercher deux types d'écarts. Cet écart, on va le composer, on va le diviser en deux types d'écart, écart sur charge directe et écart sur charge indirecte, puisque le coût préétabli est composé, c'est la sommation des charges directes et des charges directes, ça veut dire même de la même manière, l'écart est composé de deux types de sous-écart, sous-écart sur charge directe et sous-écart sur charge indirecte. J'écris ça, notez ça. En le sens, deux types, deux grandes catégories. Un usage. Il y a deux catégories en usage. Écart, premièrement, écart sur quoi? Sur charge. Les écarts sur charge. Combien de charges on a? On a deux types de charges, charge directe et charge indirecte. Ça veut dire écart sur écart sur charge est composé de deux écarts, écart sur charge directe et écart sur charge indirecte. Écrivez ça. Je note. Et toi, il est composé écart sur charge direct et écart sur charge indirecte. Et il y a un autre type d'écart qu'on appelle écart sur marge et écart sur chiffre d'affaires. Les calculs écart sur chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a deux écarts sur prix, écart sur prix et écart sur quantité. Et j'explique.
Il peut convenir de charger combien de charges, même pour dire. Deuxième condition, il convient du chiffre d'affaires ou de marge, ça veut dire, il convient de la différence entre le prix et la différence entre quantité. Ça y est, vous avez compris. Combien de l'origine de cet écart. Il est écart sur charge, ou bien écart sur marge, ou sur le chiffre d'affaires. S'il provient des charges, il provient des charges directes ou des charges indirectes. S'il provient du chiffre d'affaires, il provient de prix ou bien de quantité. Pourquoi du prix et de quantité? Le chiffre d'affaires à quoi est égal? Le prix fois le quand, fois la quantité. On va faire l'objet de cette séance et d'analyser les écarts des charges directes. Et bien, nous avons fait les définitions, nous avons établi plusieurs définitions. Et bien, l'objet de cette séance est d'expliquer maintenant, on va analyser seulement les charges directes. Prochaine séance, on va analyser les charges indirectes. Et bien, les charges directes signifient de quoi composer les charges directes? La comptabilité analytique. Il est composé seulement de matières premières et de main-d'œuvre directe. Ça y est, les charges directes via la consommation de matières premières et de main-d'œuvre directe. Et then un autre paragraphe, je pense, Pat. Et bien, l'analyse des charges. Je répète, on va analyser seulement les charges directes. Puisque les charges sont composées de charges directes et indirectes. Premièrement, on va analyser les charges directes. Et là, on a les charges directes et les composés de quoi? Il est composé de matières premières et de main-d'œuvre directe. Il y a deux charges ici, deux charges sont concernées. Sont concernés par l'analyse des écarts du coût direct. Sur coût direct. Sur coût direct, à savoir
les sages. De matière première, de matière première, deuxièmement, recharge, demain, de direct. Eden, on va analyser de matière première, les charges de matière première et les charges de main d'œuvre direct. Ces deux éléments, j'ajoute, ces deux éléments, sont en première, plus loin, sont en première. Analyser globalement. Globalement. Puis décomposer. En écart. Comme on a déjà, en écart. Sur quoi? Sur quantité. On écart. Sur quantité. 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 Et celui? Sur prix. Et d'une façon générale, j'écris la formule. L'écart global, j'appelle l'écart global. On a bien un peu l'écart global pour les deux composés en écart sur prix et écart sur quantité. Et d'un écart global, toujours dans les charges directes, est égal à quoi? Est égal à coût réel. Fais attention au réel. Au réel. Moins. Coût. Préétabli. Ou préétabli. Ça veut dire quoi? Et d'en écrivez cette formule, l'écart global est égal. À quoi est égal le coût réel? Est égal. Quantité réelle fois le prix réel. Notez Q, grand R, grand P, grand R. Moins quoi? Moins qu'on a le coût préétabli. À quoi est égal pour établir de la même manière? Grand Q, grand P, ça veut dire quantité préétablie, multiplié par PP, ça veut dire prix préétabli. Et donc, j'écris ça, la formule. À quoi est égal
Et donc maintenant, cet écart va être décomposé. Va être décomposé. Et donc, j'écris décomposition. Décomposition des écarts de l'écart global. À quoi est égal décomposition? À quoi est égal? Écart sur quantité. Écart, je note écart sur quantité. Est égal. Écart sur quantité. À quoi est égal? Écart sur quantité. Ouvrez la parenthèse. Quantité réelle moins quantité préétablie. Fermez la parenthèse, multipliez par 3 un prix préétabli. Assimilez ça. C'est égal à l'OA va être décomposé pour égal sur quantité et égal sur prix. Égal sur quantité, la loi est de 90%, quantité réelle, moins quantité pour la vie humaine, multiplié par le prix préétabli. J'écris cela, c'est l'écart global. Cet écart global, en ce moment, écart sur quantité, à quoi est égal? Quantité réelle moins la quantité préétablie, le tout multiplié par prix préétabli. Deuxième décomposition, c'est l'écart sur prix. À quoi est égal? Attention, ouvrez la parenthèse, c'est prix réel, pardon, moins prix préétabli, multiplié par quantité réelle. Voilà la quantité réelle. Le coût préétabli a plusieurs appellations. Il a plusieurs appellations. Il y a le coût prévu. Il y a le coût prévisionnel. Le coût standard externe. Puisque on a la coût, le coût préétabli soutenu de la même manière. Ils ont fait de la même manière pour rien. Ce qui veut dire pourquoi il est composé des charges qui est standard et des charges d'un niveau standard. Ça veut dire, puisque le groupe est composé de deux types de charges, l'écart est décomposé en deux types. Écart sous charge unique et écart sous charge indirecte. L'objet de ce document. De la description et de calculer quoi? De calculer les chemins de cours après les écarts des charges directes. On manque de calculer le droit, c'est le courriel de l'hôpital. Ce cours, contre, va être décomposé en tout sous écart, écart sous quantité, écart sous prix, écart sous quantité, quantité réelle, moins quantité réelle. Multiplié par le prix préétabli et l'écart sur prix est égal à prix réel moins prix préétabli multiplié par 3 quantité réelle.
Idem, je donne vous un exercice pour passer comprendre. Voilà. Là, je fais voir. Les exercices bien et pensez à les résultats. Les exercices pour comprendre comment on applique. On va calculer le courriel, calculer le coût pour établir et constater les gains globaux. Et pensez à les résultats.
Je lis l'exercice. La situation réelle est celle extraite du budget d'une entreprise, échangée de matières premières de main-d'œuvre, et celle extraite avec S maintenant. Déchargées de matières premières sont estimées comme ça. On a les données réelles et on a les données ici budgétaires. Les données budgétaires, les données budgétaires, bien sûr, mais c'est réel, parce qu'on est prévisionnel. Dans ce cas, on n'appelle pas ces données, on l'appelle coût budgétaire. Il y a le coût budgétaire. Ça veut dire qu'il est extrait à partir d'un budget. On l'appelle aussi budgétaire. Ça veut dire que ce sont des coûts prévisionnels. Pourquoi on l'appelle budgétaire? Ils sont extraits des données budgétaires, prévisionnelles. Voilà. On a la main d'œuvre ici. On a toujours. Et then, première chose, on va calculer et la réponse. Qu'est-ce que c'est la question? C'est calculer le coût réel des charges directes. On va tracer un tableau. Toujours pour calculer, pour faciliter la tâche, on va tracer un tableau de 1, 2, 3, 4 colonnes. 4 colonnes. Fais vite, 4 colonnes. Et combien on a matière, main-d'œuvre directe et total de 4 lignes. Alors, 3 lignes. Et dans, au fur et à mesure, j'ajoute quantité, prix unitaire. Et dans quantité, quoi? On va calculer le quantité. Le coût réel, à quoi est égal? Le coût réel est égal à quantité réelle fois le prix réel. Et dans la première colonne, ça s'appelle la quantité réelle. Deuxième colonne, elle est intitulée prix réel. Et ici, quantité réelle fois le prix réel. Ça y est, on a 4 colonnes. L'un est quantité réelle. Ici, on va faire matière A. On a ici de matière A et B. Matière A, matière B, matière. Ici, on va noter matière A, matière B. Et main-d'œuvre directe. Main-d'œuvre directe. Ici, on va noter total. 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 J'explique. Vous avez compris? Vous savez comment... Il faut tracer un tableau. Avec la colonne, quantité réelle, il faut voir pas du coût réel. Parce que le coût réel, c'est la quantité réelle ou le coût réel. Puisque je remplis ce tableau,
quand tu t'es rié, c'est la deuxième et troisième colonne. Combien on a ici de quantité, c'est 7000. Qu'on a on fait voir votre exercice et remplir avec moi. Quantité derrière, à quoi est égal pour matière A, 7000. Et le prix 5, on note 7005. 7000, 7000, ici 5. Pour la matière B, je note 3609. 3609. 3609. Ici, ce que je note, 310. 310. Kitsimia Asha. Kitsimia Asha. A fait le calcul. A fait le calcul. Eh bien, je fais le calcul. 7000 fois 5, à quoi est égal? 75 000. 75 000. 3600 fois 9 nous donne 32 400. 32, c'est ça, monsieur. C'est ça, 32 500. 300 fois 10 nous donne 3000. Fait la sommation de dernière colonne. De dernière colonne. On ne peut pas faire la sommation des quantités ici, puisque la matière est exprimée en kilogrammes et la main-d'œuvre est exprimée en heures. On ne peut pas faire la sommation. On ne peut pas faire la sommation du prix. Mais la quantité fois le prix, on peut faire la sommation. Mention. Et dans 35 000, même que je vous ai dit, il y a une quantité de kilo, même que je vous ai dit, ou même que je vous ai dit, ou même que je vous ai dit. Et dans 35 000, 70 400, c'est ça. Fais la sommation, monsieur. C'est ça. Combien vous avez trouvé? Combien vous avez trouvé, monsieur? Combien? Total. Et bien, de la même manière, on va répondre aux deuxièmes questions.
De la même manière, on va calculer quoi? Deuxième question, c'est calcul du coût préétabli. Dans le tableau de la même manière, mais ici, on va calculer préétabli. Matière A, matière B, main-d'œuvre directe totale. Ce n'est pas quantité réelle, mais c'est quantité préétablie, le prix préétabli, quantité préétablie fois PPP. Yani, prix préétabli ici. On a ici matière. Matière A, matière B, main d'œuvre directe, total. Je fais ici, je transporte des. Les numéros d'IEL préétablis, c'est 7000, n'est pas 7000 ici, pardon, c'est 6800, pardon, c'est faute de frappe, oui, 6800, ici, c'est 3700. Ici, c'est 260. 4,5, 10, 11. J'écris ça. Je transporte 6800. 6800. 6800. Combien? 4,5. 4,5. Ici, c'est 3710. C'est le plus bien à qui s'élève pour 710. Ici, c'est 270. 270. 270. Je fais des calculs ici. S'élève pour 710. S'élève pour 710. Que j'ai l'aide 30, 600. Le téléphone est 710, le téléphone est 710, je suis à 0, ou 170, que j'ai 2970. Quand on fait la sommation, 3700, je ne sais pas. Vous transposez les chiffres. J'arrive. Il donne combien vous avez trouvé? 30 600 plus 3e question, l'écart global.
L'écart global à quoi est égal, d'après définition, ou à quantité réelle, j'écris ça, écart global est égal quantité réelle ou à prix réel moins quantité préétablie fois prix préétabli. Je fais ici parenthèse, j'ouvre parenthèse et ici parenthèse, j'ouvre ici parenthèse et parenthèse est égal شحال خشيتي ريال 70 400 موان 70 570 570 570 كيفاش غتخرج لي نيجاتيف 170. Fais attention, j'ajoute ici des négatifs. Combien vous avez de vie totale, monsieur? 70. Bien. À quoi est égal la troisième question? C'est calculer l'écart global. À quoi est égal l'écart global? C'est la quantité réelle fois le prix réel moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. C'est ça. À quoi est égal la quantité réelle fois le prix réel? Premier tableau, à quoi est égal? Est égal 60 000. 400. On a déjà calculé dans le premier partie. 400. À quoi est égal la quantité préétablie fois le prix établi? C'est 70 560. Fais la différence. Il y a 70 400 moins 70 550. Nous donne moins quoi? Moins 170. Hein? Oui, il est négatif. L'interprétation de la favorable et défavorable. Parlez avec moi. Répondez à la question. Favorable et défavorable. Négatif. C'est une situation favorable. Pourquoi elle est favorable? Combien on a établi? Combien le coût prévisionnel? C'est 60 560. Combien on a réalisé? Avec moins cher. Moins cher, ça veut dire situation favorable. Toujours quand l'écart est égal à un montant négatif, c'est une situation favorable pour l'entreprise, car il a réalisé ce travail avec moins cher. Il donne l'interprétation. Interprétation. Un écart négatif.
traduit une situation favorable. Favorable. Le cas contraire, situation défavorable. Voilà, fais attention. Maintenant, j'ajoute une autre question. Notez-la à vos cahiers, monsieur. On suppose que les deux situations précédentes concerne le même niveau d'activité. Question. Décomposer cet écart. Décomposer l'écart global. On va les décomposer en quoi? En quoi, monsieur? En quoi? L'écart sur quantité et l'écart sur prix. On va l'analyser. Et deuxième question, on suppose que le précédent, fait attention, concerne le même niveau d'activité. On ne peut pas comparer deux choses avec des niveaux d'activité différents. Qu'est-ce que c'est niveau de, avec la même production? On ne peut pas comparer deux choses différentes. On a produit 1000, on fait la prévision de 2000. On ne peut pas comparer. Dans ce cas, on va traiter qu'on a le même niveau d'activité. S'il n'y a pas niveau d'activité, le calcul va changer. Ça y est, j'explique en arabe. Il est le même niveau d'activité. Il est le même niveau d'activité, mais il ne se carre. Au fait, mais si je vous inchallah, la séance prochaine, il connaît deux niveaux différents. Comment on va faire? Maintenant, assimiler ce cours avec le même niveau d'activité. Il est inchallah, la séance majeure, mais je me dis, il connaît deux niveaux d'activité différents. Maintenant, on suppose qu'on a le même niveau d'activité. Fais attention. On va le décomposer en écart sur quantité et écart sur prix. Correction. Bismillah. Qu'est-ce qu'on a déjà expliqué? Que cet écart était composé en écart sur prix et en écart sur quantité. Premièrement, écrivez, monsieur, écart. Écart sur quoi? Sur quantité. Sur quantité. Quantité. La formule d'Alain, comment on calcule la formule? C'est grand E divisé par Q, écart sur quantité, slash, écart sur quantité, à quoi est égal d'après le cours, ouvrez la parenthèse, quantité réelle, multiplié par le prix réel, fermez la parenthèse, multiplié par prix préétabli. Application numérique, écart sur quantité de quoi? Combien on a de matière? Matière A et matière B. Écart sur quantité, ouvrez la parenthèse, matière quoi? On va calculer A. Grand A. J'applique définir est égal. Bismillah. Ouvrez la parenthèse. À quoi est égal quantité réelle? Quantité réelle, c'est 7000. C'est 7000.
Et quantité préétablie, c'est 600, 6800 idem. Le prix réel, c'est 5. C'est 5. Idem, écart sur quantité, à quoi est égal? Quantité réelle, moins, pardon, c'est quantité préétablie. Le prix préétabli. À quoi est égal quantité? C'est 7 000 moins 6 800. Ouvrez parenthèse. Voilà. Quantité réelle, à quoi est égal? C'est 7 000. Quantité, c'est 6 800. Multiplié par le prix préétabli, c'est 4,5. C'est 4,5. Nous donne 7 000 moins 6 800, 4,5 nous donne 900. 900 dirhams. De la même manière, quantité B nous donne est égal, ouvrez parenthèse, combien de quantité B réelle? C'est le téléphone moins le téléphone moins le téléphone multiplié par le prix préétabli de quantité P, c'est 10. C'est 10. Combien nous donne? Il y a le téléphone le téléphone 11. Et dans le cas sur quantité, vous savez qu'on a main de direct. Combien est égal? Ouvrez la parenthèse sur quantité de main de direct. Et dans le cas de main de et j'applique les formules 11. Ich muskik. Voilà, tu as bien. Identité mia, mietin, spend 11, que tu dis mia, tétin. Voilà. On s'arrête au total. Naqis 100 كتجي 230 total voilà il va servir de la même façon le prix d'accord. Donc le RDB nous a le prix. Il y a
Deuxième décomposition, j'ai dit l'eau, écart supplie. Il donne un souffle la formule, grand E slash P est égal à quoi est égal? Ouvrez la parenthèse, c'est le prix réel, moins à quoi le prix préétabli. Prix préétabli, fois quantité réelle. Et donc, combien on a? On a trois sous-écarts ici. E slash P, de quoi? De matière A. À quoi est égal? Ouvrez la parenthèse, un chauffe-eau, le prix réel. C'est le prix réel, il y a A. Khamsa. 5, le prix réel, Khamsa. Ou le prix préétabli, Arbaounos. La quantité, 7000. Khamsa, Nankis Arbaounos, 7000. Khamsa, Nankis Arba. Passer la comme ça. À quoi? Comme ça. Ou bien on nous fait une spéciale. Jette. Il donne une noce de télèbre comme ce miette. Écart sur prix matière B à quoi est égal B à quoi est égal. Un chauffe-eau chel B, il donne une quantité Sud, Nakes Ashra, qui est le plus simia. Sud, Nakes Ashra, qui est le plus simia. Chel que c'est oui, il donne Nakes qui est le plus simia. Il donne toujours écart sur prix de main de direct est égal. Je dois le pause, un chauffe-eau, à quoi est égal? Il donne à Ashra, Nakis Hadash. Il donne appliqué, il donne chini. Le prix réel, Ashra, Nakis Hadash, fois la quantité de Timia. Ashra, Nakis Hadash, ouvre parenthèse, fi, le Timia. Je pense que c'est oui, Nakis le Timia. Chat total. Naqis 700.
Il y a des cas globales. Combien est égal? Iden. Miettien nucléatien. Nankes. Est-ce que c'est oui? Miettien. Nankes. Miettien. Voilà. On a trouvé le résultat. Combien vous avez trouvé, monsieur, les cas surpris de la matière A? Combien? Oui, matière B? Et cas surpris? Combien total? Moins 400. Et l'écart global encore est égal. Ou l'écart sur quantité plus l'écart surpris? Notez-la. L'écart global, écrivez ça. L'écart global l'écart global est égal à l'écart sur quantité, écart sur quantité plus écart sur prix. À quoi est égal le coût d'après l'exercice? À quoi est égal l'écart sur quantité? À quoi est égal l'écart sur quantité? 230. Total. À quoi est égal l'écart sur prix? C'est moins 400. 230 moins 400 nous donne quoi? Fais le calcul. Moins 170. Qu'on a déjà trouvé. C'est la même chose. Et donc, voilà. J'ajoute des remarques ici. Remarques. Et donc, nous avons déjà dit remarques. Il y a quatre types de prévus. Je note quatre. Premièrement, quatre types. J'ai déjà dit oralement quatre types de coûts prévus. Il y a le coût standard. C'est un coût prévu à partir d'une analyse. Vous avez, j'envoyais le polycop et vous faites voir, calculé à partir d'une analyse effectuée par les services techniques et économiques. Non, mais on a déjà dit, il y a le devis. Le devis. C'est un coût préétabli, c'est un coût prévisionnel. Il est déterminé a priori pour une commande. C'est un coût calculé a priori pour une commande. Il y a un coût budgétaire. C'est les renseignements et les extraits à partir d'un budget prévisionnaire. Il y a un coût prévisionnaire. J'écris ça. Coût standard, le devis,
Il y a encore coût budgété. 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 Et il y a bien sûr coût. Standard prévisionnel. Ce sont des appellations. Donc, on a le coût préétabli, c'est un coût prévu, calculé au, antérieurement au fait qu'il les engendre. Quand tu sais, comment il y a une voie là. Mais si. S'il y en a des questions posées là, si vous n'avez pas de questions, merci de vous attention et jusqu'à la prochaine vidéo.